Active ta voix pour que j'entende ta voix dans mon stream et vice versa. Moi j'ai activé en permanence. Ah mais après c'est dans le chat. Dans le chat tu mets accepter les voix. Attends, mais ma voix t'inquiète. Non non mais t'inquiète ça marche. Ouais, mais il faut que tu mettes pour toi dans l'autre sens. Et après dans le chat party, il faut que tu actives pour que ça marche. De quoi? Attends. Ah, quoi, tu disais, c'est pas dans ce menu-là, il faut que tu ailles dans le menu du chat. Bah oui, bah tu coches tout, tout le monde va t'entendre, t'auras tout qui sera acceptable. Mais après, dans le. Ouais, mais après, tu vas cocher tu vas dans le chat. Et tu fais autoriser tout le temps, comme ça quand t'es dans le chat et que t'as un dans le groupe qui se diffuse, ta voix est automatiquement transcrite si lui après il active les trucs quoi. Non, non, pas du tout. J'ai mis autorisé pour la partie en cours, hein, comme ça. Parce que je vois Voilà. tout le temps qu'il y a ma voix. Nickel. Bon, allez, c'est parti. Ouais, c'est parti. Welcome to the Outlast 2. Outlast! Yeah. Alors déjà, tu veux Je suis traduire ou t'as Black. zappé? Non, je suis Black Lagerman, un caméraman qui travaille Avec pour ma sa femme, femme, Line et tout. sa femme Lynn. Ils Les deux investissent. sont journalistes, les deux sont investigateurs journalistes, ils prennent des risques. Et alors ça, je sais pas ce que ça veut dire Pour après. des histoires louches que personne veut toucher, etc. ou je sais pas quoi. Ouais. Donc ils veulent Ils allaient partager. suivre. Donc des meurtres perpétrés par une femme. Une femme seule qui s'appelle Jane Doe. Jane Doe. Donc l'enquête va les mener en Arizona, dans le désert de l'Arizona, dans les ténèbres. Non, je sais pas quoi, lumière et tout, corruption. Oh putain, ouais, donc c'est dans une zone tout pourrie, ça sent bien, tu sais, la Ça famille pue l'embrouille, dégueulasse et tout. quoi. Ouais, ça. Ok. Allez, c'est parti. Tu m'entends bien, Flo, ou pas? Ouais. The fuck? Bah par contre, quoi, tu passes de Uncharted à Outlast, graphiquement c'est plus pareil, hein. Ça fait bizarre. J'ai malheureusement pas suivi le début là. Oh, t'as un raté. Ouais, mais juste avant, il s'est passé quoi là avant de tomber là? Ah, mais je suis pas tombé moi encore. Ah, d'accord. T'es en avance sur moi là, t'as ramassé tes lunettes? Ouais, je viens de les ramasser. Mais avant, il s'est passé Ah, moi quoi? J'ai aussi. pas regardé. Bah, rien. Ok. Rien du tout.
T'as vu la croix, et la croix, genre ça a dézoomé dessus et ça a écrit le titre à Outlast 2. D'accord. Ah, par contre, si le jeu est quand même sacrément propre et lisse, surtout. Carrément, ouais. C'est ce que j'aime voir, c'est hyper beau, quoi. Par rapport au premier, avec là, il n'y a pas d'aliasing, il est super propre le jeu, quoi. Il est fluide et tout. Ah ouais, rien à voir, quoi. Ah ouais, rien à voir, carrément. Ah, attends, comment ça marche? Ok, t'appuies sur R1 pour montrer ta caméra. Toujours le pavé tactile pour zoomer. Tu mets en avant le pavé tactile ou pas. R3, c'est pour passer en mode nocturne. Donc soit les croix directionnelles, soit le pavé tactile. Mon pavé tactile, c'est carrément mieux. C'est ça. Et si c'est comme dans l'ancien, c'est qu'il faut filmer en permanence pour pouvoir... qui sait qui donne des trucs, le personnage, là. Ouais, c'est ça. Ah là là, avec la lune au fond, là, mon dieu. C'est... Là, franchement, le début, ça commence... C'est Resident Evil 4. Bon, gars, laisse tomber. Franchement, j'adore l'ambiance, là. Puis qu'est-ce que c'est propre, putain. Oh, mais il se passe quoi? Ils se sont réveillés avec les développements des jeux, quoi? Bah non, c'est que le mec, il a eu du financement grâce au succès de 1, tu sais, comme il avait été offert avec PlayStation. Ouais, hein. C'est vrai. Oh putain, j'entends quelqu'un sur la gauche. Spoil pas trop, hein, spoil pas trop. Oh là là, quand tu mets la caméra là. Oh, ah, moi, en VR le jeu, mais laisse tomber. Je suis en mode panique. Ah, mais voilà, moi c'est. Oh mon dieu, la porte. Attends. Ah, mais comme c'est propre, moi j'hallucine, quoi. Je croirais sur un PC, quoi. Oh mon gars, je suis rentré dans une baraque, il fait... Oh putain. Ah, ils sont chelous les gens ici quand même. Oh putain. Bon, c'est comme le premier, je pense qu'on n'a pas d'armes. Là-bas. Oh, il y a du monde là-bas. Ah, moi je te dis, c'est trop pompé sur Resident Evil, l'ambiance, je sais pas, les baraques et tout. Ah, moi en tout cas, je suis très. Ah, mais franchement. Ah là là, ça parle. Ça met trop. Oh, c'est quoi ce truc? Oh putain! Oh mon gars! Ah, oh, sur la droite! Ah, il y a une sorte de pouvoir taille vivant que j'ai vu qui m'a parlé, qui s'est barré dans le noir. Ah, je déteste ces apparitions. Oh putain de ta race. Oh mon dieu. Oh, il y a encore un mec là-bas. Ah, avec ses yeux, il va dans le noir. Oh là là là. Jesus. Oh putain, il y a... Ah, c'est horrible. Et Goldar et Snake, vous êtes là, on vous entend plus du tout là. Oh mon dieu, l'ambiance est juste géniale. Les systèmes d'éclairage et tout là. T'appuies trop l'embrouille, il fait trop noir ici. Là, vivement ça, vivement Resident Evil 7 là. Merde.
Ouais, trop de vieux bruit bizarre là. Putain, on a encore un caméscope de merde qui se décharge en moins de 2 secondes, quoi. Ouais, ça c'est chiant. Oh là là, là 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 là. Et les autres, ils sont partis, on les entend plus là. Je sais pas. Attends, mais. Ah d'accord, moi. Oh putain! T'es arrivé déjà où il faut passer par une fenêtre? Ah mais c'est déjà fait hein. Ok. Ouais c'est rien passé là. Je descends au cimetière là où je sais pas où. Ok moi je viens de me faire surprendre par ce putain de corbeau là. Ah putain. Ah mais y a pas d'appareil. Moi j'ai pas vu d'apparition Flo. Ah bah si j'ai passé la fenêtre et y a un corbeau qui est sorti à travers la fenêtre avant que je la passe quoi. Non mais tout à l'heure tu parlais d'une apparition. Si mais t'as raté sur la gauche, t'as pas regardé quoi. Moi j'ai regardé, j'ai entendu dans le casque et j'ai regardé à gauche, à droite, et là il y avait un mec qui est avec un chapeau genre épouvantail qui est apparu, j'ai fait oh putain! Et tchouk, tout de suite il a disparu quoi. T'as dû le rater moi, quoi. Moi j'ai vu un mec au loin, mais. Oh bah mon gars, tu vas voir où je suis là. Oh mon type. Ça a l'air très satanique tout ça quand même. Oh là là. Je suis en train de descendre dans une sorte de cimetière, j'entends un bruit là dans le casque. Ouais, bah je suis plus loin moi. Oh putain! Putain, y'a un truc dans les buissons! Oh mon dieu! Ah, c'est la latence, mec, là, enfoiré, ouais! Oh putain, c'est à gauche maintenant! Ah, mais l'ambiance, elle est énorme! Ah là, et t'as le petit ton, ton. Ah, t'as pas envie d'avancer! Moi, j'ai rien du tout, hein, franchement! Ah, j'entends quelqu'un parler! Ah bah je sais pas où t'es, je sais pas ce que tu dis comme casque ou le son que t'as pas mais laisse tomber. Ah putain, ah, j'ai l'enceinte de droite là mais quand en train de grisiller, oh, j'entends putain. Un truc qui gratte. Ah mon dieu. Ah bah, mon gars bouge pas, tu vas voir. T'es où là? Ah là j'arrive dans un truc là, une sorte de cave là, oh mon dieu. Ah bah c'est rien, attends la suite mon pote. Oh putain. Ah oh, c'est dégueulasse, il y a des mouches et tout. Oh, c'est horrible. Attends. Ah, il y a une sorte de visage collé contre le mur. Attends, j'avance, ça. Ah putain. Oh putain, faut suivre les traînées de sang. Ah, ben, tu m'as fait deux streams, non? Ouais, j'en regarde du feu là. Ah mon dieu, il y a une sorte de charnier là. Attends, en plus, je suis en avance sur Flo, moi, du coup. Vas-y, on dégage de là, vas-y, je dégage. Oh putain, oh, je déteste ces trucs. Il y a quelqu'un qui parle. C'est le puits qui parle. Ta gueule, ta gueule. Va voir ce qu'il veut te dire. T'as vu gamer, moi je suis. Non. Oh putain mon pote, là c'est noir total. Oh putain, mais pourquoi j'ai pas la caméra? Oh putain, je suis où? D'où je suis dans un conduit, je comprends rien. Oh là là, mais mon pote, moi je suis dans des pièces. Je me crois dans le premier Silent Hill. Ah, moi j'adore, mais par contre, tous les jeux que j'ai fait, je les ai refait en VR, je peux plus les faire en normal, ça pue la même. Hein? Oh merde, tout ce que j'ai fait. C'est quoi ce délire? Je suis dans une école? L'embrouille. Oh, j'ai vu des trucs passer là.
Oh, ça y est, ça pue l'embrouille. Bon, bah moi, ma journée de bonheur, je vais vous laisser les gars, je vous dis bonne soirée et puis amusez-vous bien. Ciao, ciao, Will. Oh, c'est quoi ce truc de fou là? Ah, mais t'as vu Gaber ce qui passe devant moi à chaque fois que je me retourne? Il est parti. Merde. Oh là là là. Et qualité oh, du jeu putain, est top. Enculé. Oh, est-ce que tu viens de rater Goldor? Ouais, tu me diras. Ah oh, putain, mais ça fait. Oh là 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 là. Ah, faut que ça devienne plus, quand même plus sale, hein. Faut que ça se dégrade là. Ça va venir, mais. On peut voir la fenêtre hein. Et là aussi, le jeu sera pas au même prix, hein. Il va être au prix fort normalement, le 2. Hein. Ah ouais? On verra bien. Oh putain, j'ai des casiers qui s'ouvrent là, vas-y, nique sa mère. Ah, attends. T'en es qu'au début de tes peines. Oh là là. Oh putain non. Là j'ai dit. Oh putain j'ai fait ça. Oh y'a des mains. Oh putain c'est quoi ce truc. Oh putain de merde. Faut que j'arrête ce jeu. Oh putain. Ah c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible Geoffrey. C'est horrible. Oh putain c'est cadillé ah, là. C'est ça qui est bon. Ça a la verre mon pote. Ça mais pourquoi j'ai une sorte de mec qui apparaît en ombre là? C'est horrible. Quand je tourne la tête. Oh putain mon gars. Ah bah tu vas voir après. Ah, genre, dans toute la pièce, moi chez moi c'est abusé, c'est avec le son cinéma, j'entends une voix qui résonne et qui. Comme si elle était chez moi, j'ai l'impression qu'elle est dans ma cuisine, putain c'est une horreur. C'est oh une putain horreur. Ah, faut que... Oh putain bah mon gars t'as intérêt à courir après. Ah bah tu vas voir. Oh. Putain mais tout est fermé, je suis coincé moi. Oh putain! Oh putain! Ah, mais je m'en fous, je m'en fous! Moi je prends plaisir là, j'ai des frissons! Oh putain! Oh putain! Oh putain, il me suit le gars, il me lâche pas! Hein. Oh Flo, il te lâche pas, moi je te dis de face! Hein. Mais je sais pas où partir! Tout est fermé là! Je vais tomber face à face, ah, avec lui, obligé! C'est bon, j'ai trouvé une entrée putain, dans le casier. Il est vers moi. Oh putain. Ah, je vais mourir. Je sais pas où aller, je sais pas où aller. Franchement, je sais pas où aller. C'est quoi ça, ah, cette gamine. Putain de ta race. Mais qu'est-ce que je fous là. J'aurais dû rester chez moi, bordel. Oh putain. Mais pourquoi elle veut plus courir, mon gars, là? C'est quoi ce batterie? C'est bon, y'a rien. Putain de ta race. Ah oui, je me rappelais le. Tu te rappelles le chauffeur, tu te mets contre les murs et tu peux regarder sur les côtés. Ah ouais. Oh là 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 là. Oh non, mais c'est quoi ce délire? Oh putain, la gamine, elle était pendue. Ah, je vais me retourner, je suis choqué. Ah, c'est quoi ce bruit? C'est quoi? Putain, c'est chez moi. Alors. Wow. Ah, mais ça. Ah, ça a disparu. Oh mais ce truc de ouf. Oh tu vas voir Flo après. Putain. Putain mais si j'ai coupé le jeu, désolé. Oh. Ça y est c'est fini, c'est fini. Oh
Ah, ça y est, c'est fini. J'ai fini, mon pote. Terminé. Putain! Mais merde! Oh putain, je suis dans un putain de champ là! Oh, le mec il me court après! Ah! Mais je sais pas où aller! T'as fait comme moi! Oh putain, les mecs me courent tous après! Évite la lumière mon pote! Mais je sais pas où aller là! Oh là là là! Attends, y'a un. Les mecs qui me cherchent quoi! T'as pris le même chemin que moi! Non, Flo Flo, faut que tu suives les grosses lumières. Ah, si tu vois les torches. Putain, mais t'es perdu, Flo, là. Ah ouais, mais moi, laisse tomber, moi j'ai... Putain, mais moi c'était plusieurs à me courir après par contre là. Ouais, pareil moi. Et il s'approchait vite hein. Ah c'est bon, j'ai cru trouver. Ah tu pouvais passer dans une maison là. Ah j'avais pas vu ça. Oh là 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 là. Comment on fait pour se regarder derrière comme d'habitude? Elle en. Ah oh putain! Oh mon dieu! Ah, il est juste, juste génialissime. Il est juste génialissime, le bon qui sort. Et par contre, y a, j'avais regardé le trailer et tout, c'est la suite du développeur. Il, beaucoup de gens lui posaient la question, est-ce que vous allez le faire en VR? Il a dit que c'était pas prévu pour l'instant, mais qu'il allait réfléchir à ça. Mais j'imagine même pas le jeu en VR. Oh mon dieu. Oh mon dieu, ça va être, et quand il va l'adapter, c'est, ça va être un truc de fou. C'est juste magnifique ce que je viens de vivre là, c'est énorme. Bon bah je coupe le stream les amis. À bientôt, et c'était moi j'adore là, je précise bien quand j'y allais dans la vidéo, je me mets en condition. J'aime bien me faire moi-même peur, donc je me mets à fond dans le personnage. Et j'ai surkiffé, j'ai vraiment kiffé cette expérience là. Donc voilà, et à très bientôt.